Pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de farine, de 60 g de sucre, de 4 œufs, de 2 sachets de levure, de 130 g de beurre fondu, d'une pincée de sel et de 60 cl de lait. On commence d'abord par ajouter le sucre et la levure à la farine. Ensuite, on y ajoute les 4 œufs. Une fois que vous avez essayé de mélanger vos 4 œufs, vous rajoutez le beurre fondu. Vous allez voir, au début, c'est assez difficile à mélanger, mais on va délayer avec le lait et ça sera tout de suite beaucoup plus facile. Donc, une fois que vous avez mélangé un peu le beurre, vous pouvez ajouter la pincée de sel et on va commencer à ajouter notre lait progressivement. On en met un petit peu et on mélange. Et voilà pour la pâte, donc maintenant on peut réserver une heure au frigo avant de les faire cuire. Pour la cuisson, c'est assez simple, donc il vous suffit de faire chauffer une poêle, donc comme si vous alliez faire des crêpes. Vous mettez un petit peu d'huile pour pas que ça accroche, que j'étale avec tout simplement un sopalin. Et ensuite on met un petit peu de pâte, donc n'en mettez pas de trop au début parce que la pâte à pancake a tendance à vraiment se répandre. Et ensuite, on commence à voir apparaître plein de petites bulles au-dessus du pancake. Donc, ça veut dire que vous pouvez le retourner. Il faut compter à peu près 1 à 2 minutes par face. Et voilà, donc vous attendez vraiment à peine 1 à 2 minutes pour... pour l'autre face. Et voilà le résultat. Donc il vous reste plus qu'à faire la même chose avec toute votre pâte.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire et à me dire si vous avez essayé ma recette. Et n'hésitez pas aussi à me la poster sur Instagram. Je serai ravie de voir vos petits pancakes. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!